C'est bien 50%. Tu vois, c'est moitié-moitié, quoi. C'est pas des mecs qui t'écrasent, qui sont en team, tout ça. Enfin, moi, Il y en a un je... qui a pris un deck général motorisé. Ok, bah motorisé, c'est rapide, et Ils sont c'est beaucoup baltiques. d'infanterie, et par contre, ils ont pas de tank lourd. Par contre, ils ont des Baltique. avions ATGM. Donc, on Donc c'est va... Finlande, non? Je sais plus. Ouais, je crois, ouais. J'ai cru voir un... J'ai pas fait vraiment gaffe. Alors, ce qui est vachement important, si je peux me permettre, c'est d'avoir Pour tester Charlie la zone à et plus de deux. Delta. Voilà. Si t'as ça, on a gagné. Donc, est-ce que t'as des hélicoptères anti-air? Par hasard. Question. Remarque, tu vas me dire, je peux J'ai ce qu'il pas... faut, j'ai ce qu'il faut, Ouais, t'inquiète. Du ok. coup, on se rejoint sur Bravo. Tu prends la partie gauche et moi la partie. Ben, ce qui serait bien, c'est que effectivement, tu t'occupes au moins de la droite de Bravo et puis Ouais. Charlie. Voilà, comme Ok, ça. t'inquiète, ouais. Et tu mets le maximum. Et puis moi, je peux. Ah ouais, parce que moi, j'ai l'habitude du 1v1. Et Oui, bah là sur un 2v2, ouais, c'est en tout cas, nickel. je vais défendre Foxtrot. Et je peux essayer de défendre un petit peu Bravo sur ce côté gauche, tu vois. Bravo, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Juste infanterie là, puis Ouh là là, ça dépend. des Des poteaux. Maglans là, ce serait bien. Maglans, si tu peux en mettre là sur Bravo, là, tu sais, par là. Sur le côté gauche de la ville, là, ce serait bien. Voilà, on se divise. En fait, la route du centre là, qui est là. Ouais, mais t'inquiète, je m'en Tu prends la droite, je prends la occupe de gauche. la partie droite. Ok? Ça marche. Bon. J'envoie mon CV sur Delta. Parce qu'en face, il y a du lourd au niveau des decks. Peut-être qu'ils sont mauvais, on ne sait pas encore. Mais il y a du lourd au niveau des decks qu'ils ont choisis, c'est pas anodin. Je veux dire, le finlandais, c'est pas de la blague, quoi. Est-ce que tu veux que je laisse mon commandant à l'arrière? Ouais, d'accord. Je laisse mon commandant sur Golf. Comme Ouais, bah ça. je prends Delta. Tu captes Delta Je prends d'entrée de Delta, jeu. hein. Je Ok, capte Delta comme ça. ok, ok. Ça marche. Bon. Bon bah moi, comme je disais, je m'occupe de la gauche de la route. Hein. Ok. Bah, je vais l'occuper avec des réservistes. J'aime bien les réservistes. Franchement, je trouve que c'est vraiment des super unités pour se prendre les coups à la place des unités chères. Ça, c'est génial. Par contre, eux, ils risquent aussi de se diviser un petit peu la carte. Donc, sur Bravo, on aura peut-être l'avantage, mais sur Foxtrot, je risque de pas l'avoir. Donc, il va falloir que je fasse gaffe. Si on a la zone à plus 2, ça peut le faire. Oui, mais bon. C'est le mieux, c'est quand même que j'arrive à garder Foxtrot quand même. Non? Ce serait l'idéal. Oui. Moins de. Par contre, j'avais vu un truc. Mes réservistes, ils sont peut-être pas chers, ils sont peut-être très bien, mais ils ont pas de mitrailleuse, donc ils vont pas être très forts s'ils poussent, les gars. Ouais, mais le transport est pas mal, les réservistes. Ah bon? Le NM Ouais. machin là? Pour 5 points, je crois qu'il vaut 5 points. Ouais, il vaut que 5 points, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, parce qu'il Ouais, vaut pas cher, hein. c'est pas mal, ouais. Ah, tu trouves? Ça fait de la bonne suppression pour 5 points. Ouais, je sais pas, moi, je suis pas fan. Enfin, c'est DM113 quoi, en fait, hein, c'est Oui, basique. mais pour la réserve, quoi. Enfin, ça fait Ouais, vraiment des trucs pas chers à sortir. voilà, ça. Moi, c'est pour le prix que je les ai pris, parce que hier, on a fait une partie ensemble. Et en fait, je me suis fait. Enfin, j'osais pas attaquer vraiment. Ou quand je le faisais, j'avais que des unités qui étaient relativement chères, tu vois, qui se faisaient atomiser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être que si j'avais eu des réservistes à 5 points et en quantité, ça m'aurait permis, tu vois, de servir Satan, quoi, de ligne de ouais. front, quoi, tu vois. Voilà, en fait, c'est ce que je veux dire. Bon, j'essaie de tenir Foxtrot et j'essaie de tenir le côté gauche de Bravo. Ensuite, ensuite, ben, on va mettre de la chair à canon par là. Ça, c'est quoi? C'est de la chair à canon aussi. On va les mettre là. Celui-là, c'est un tank qu'on va mettre là. Ça, c'est encore de la chair à canon. On va les mettre ici.
lui, c'est de la roco. On va le mettre là-dedans. Lui de la TGM, on est là. Excuse-moi, je pense à voix haute. Voilà. J'ai pas vu les niveaux dégâts, t'as regardé toi un petit peu? Ce qu'ils ont en face, enfin leur niveau? Ouais, leur niveau, t'as regardé? Non, j'ai pas eu le temps de le... D'accord, moi non plus. Hop là. Tu m'as dit que c'était bon, j'ai lancé. Ouais, ok. Bah, ouais. Ok. L19. Ah, ils occupent la forêt, d'accord. Bon. On va lui donner de quoi s'occuper. On va s'occuper du GRU en premier. Oh bah dis-moi, ils ont morflé les réservistes là. Débarqué quoi, j'ai un peu de lag. Bon. Pour l'instant, ça tient le coup. Un petit peu. C'était comme je le pensais que ça allait être. Voilà. Bon. Bon. Pour l'instant, il s'épuise sur nos défenses. Ouais, ça le fait pour l'instant. Ouais. J'ai un tout petit lag, tu vois, de 2 secondes, entre le moment où je clique sur le et... Sur le micro, tu veux dire? Non, non, sur le jeu. Sur le Discord? Ouais. Non, non, sur le jeu, sur Wargame. Ah oui. Bon, j'ai un VR à péter, je sais pas si t'as un avion ATGM ou quelque chose. Économiser. Pareil. Oh là là, ils m'ont fait mal avec le napalm, ils m'ont fait mal. Ah, c'est pas cool, quoi. C'est quoi ce napalm qui m'a envoyé, d'ailleurs? C'est un avion ou un Buratino, t'as pas regardé? Fais gaffe. Ok. Bon, ben, occupe-toi de Charlie, de toute façon. Occupe-toi de Charlie, si tu peux. Attends, on va voir. Attends, ça, on va le mettre tout de suite, là. Starry, c'est en face. Voilà, je me disais aussi, il y avait un petit peu de lag. C'est confirmé. Alors, j'ai jamais su si ça continuait à recevoir les ordres, en fait, quand tu... Ah, si, tu peux enchaîner, là. Tes maglans ont besoin d'être ravitaillés. Hein. Au milieu. Oui, oui. Ça y est, Starry est sorti. À mon avis, l'autre il va abandonner assez vite. Commandosi. Ok. Ouh là là, je suis en train de me faire dégager de. Ils ont bien focus ton côté. Ils ont complètement délaissé Charlie. Bah c'est marrant qu'il reste l'autre alors qu'il est tout seul. Moi, sa place, j'aurais abandonné. Hein. Bah, je dis ça, je dis rien, mais... 115, ok. Alors, il est où le vieux? Il est là. Plutôt là. Je t'envoie un avion pour le vieux. Ça y est. Il est parti, mais il l'a raté. Ok. Merde, il faudrait le spot. Bah, c'est simple, il est là, mais... Enfin, tu vois. Je l'ai raté, mais de 5 mm, quoi. C'est 2 side shots. Bien joué. Ouais, tu la stun. Un HP, je peux l'avoir peut-être. Ah, les commandes-ci, ils tiennent bien le coup, hein. Bon, là, c'est bon. Ensuite, bon. C'est bien pour retarder un petit peu les adversaires, mais bon. À la limite, je préfère perdre, tu vois, des réservistes que de perdre... des unités super chères, surtout que là, voilà. En fait, c'est ça, il m'envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il m'envoie 5 napalm à chaque fois, c'est pour ça que j'y arrive pas.
D'accord. Je t'envoie l'avion, super. Ouais, ok, ça marche. Si Bon, tu là, ils ont marques des le géo commandes déjà. aussi. J'envoie un avion sur les prolos. Ah, je suis déjà vide. Ah, ok, ça va, j'ai pris un fob. T'as pas pris de fob, toi, par contre. Non, j'ai viré ma fob. D'accord. Oh, les Neva, les Neva, les Neva. Sauté les deux fobs, merci. C'est puissant, les Yougoslaves. Hein. Je l'ai testé hier. Ah, bah, c'est gagné. Pourquoi? Il a abandonné? Il a quitté. Ok. Bon, ben, comme il veut, hein, c'est son choix. Après, je comprends, tout seul contre nous deux. Tu t'en sortais bien de ton côté, ça va? Oui, il n'y avait rien. Ah, ok. Bon, ça marche.